C'est dire que c'est une église qui a une place spéciale.
Je vous invite donc à passer un fructueux temps de l'Avent selon les orientations de la parole de Dieu et ce jour, la parole de Dieu que nous venons d'entendre. En effet, pendant ces temps forts de l'Église et pour nous aider à mieux préparer et à accueillir notre Seigneur Jésus-Christ, la liturgie de la parole nous accompagne. C'est lui qui...
Celui qui vient, il viendra pour restaurer l'ordre originel qui a été brisé à cause de nos péchés. L'Évangile dit d'ailleurs, celui qui vient, il viendra pour restaurer la justice. La justice. Je souhaiterais que nous méditions sur ces mots, la justice. Nous parlons beaucoup de justice, mais ça signifie quoi, justice? Puisque le Messie vient restaurer la justice, qu'est-ce qui signifie justice? Et s'il vient restaurer, c'est qu'il n'y a pas de justice aujourd'hui. Sinon, il ne viendrait pas. Le mot justice est de la même racine que le mot juge. Et tout ça vient du verbe juger. Juger. Juge. Justice. Tout ce mot provient d'une même racine hébraïque qui est mishpat. Ou sedak. Qui signifie littéralement. Si nous traduisons ce verbe, en français, on dirait juger, c'est redresser ce qui est tort. Juger, faire justice, consiste à redresser ce qui est tort. Et les situations tordues, ce sont les situations qui humilient l'humain, qui humilient nos frères et sœurs. De par notre comportement, nous avons réussi à tordre l'ordre voulu par Dieu. Nous avons réussi à tordre ce qui était droit. Ce qui était bon, nous l'avons tordu. Thank you.
Et c'est lui qui vient.
He said,
Thank you.
Thank you.
Emmanuel.